Ce qui ne nous a pas convaincus, d'abord, c'est qu'il parle très peu des maires et du pouvoir qu'il compte donner aux maires. Donc, ce qui nous a choqués, c'est qu'il ne nous a pas parlé de mobilité, il ne nous a pas parlé du numérique, il ne nous a pas parlé des finances locales et surtout, il ne nous a pas parlé de la loi NOTRe. Cette loi NOTRe, nous, on la combat depuis longtemps, puisque c'est la loi des métropoles. On demande depuis longtemps une loi sur la ruralité qu'il refuse de faire. Alors, il y a bien sûr l'agenda rural, j'aurais voulu qu'il en parle, parce qu'on essaie de le mettre en place avec la ministre Jacqueline Gourault, et on ne voit rien venir. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, et puis bon, on se rend bien compte que Emmanuel Macron aujourd'hui est plutôt dans un rôle de manipulateur que dans un rôle d'association avec les maires ruraux. Voilà, c'est ça l'explication. En fait, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous, on avait, comme je l'ai dit en Dordogne, on a respecté les institutions. On a attendu la fin des débats pour donner un avis, mais on est franchement déçus. Et 90% des maires ruraux de toute la France sont vraiment déçus des propos de M. Macron le jour des résultats du grand débat. Donc là, qu'est-ce qui se passe pour tenter de contrer un petit peu les annonces du gouvernement? Qu'est-ce que vous avez décidé? On a décidé, alors c'est à l'initiative bien sûr d'un élu d'une commune de 700 habitants dans la Marne, Thierry Barba, qui a lancé l'idée de faire une liste européenne. Et justement, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, surtout quand on voit les extrémismes qui montent. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce que nous, on sera la liste qui va s'occuper de la ruralité parce que les européennes, ça ne concerne pas que Paris et les métropoles. Ça concerne aussi la ruralité et bien sûr que nous sommes européens aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de communes rurales de l'Europe qui sont dans la même idée que nous. Qu'est-ce que vous proposerez ? Alors, on va proposer plusieurs choses. Déjà, de revoir la loi NOTRe, ça c'est sûr. Mais après, il y aura les questions européennes. Et sur les questions européennes, on reviendra sur des décisions qui touchent la France. Et c'est vrai que quelque part, nous avons notre mot à dire aussi. De façon, je vais prendre l'exemple, il est anormal aujourd'hui qu'il y ait 700 millions d'euros d'attribués par l'Europe et qu'en France, on n'arrive pas à les avoir sur des projets. C'est par exemple travailler sur les normes. Il faut que la France arrête de mettre autant de barrages pour obtenir des subventions dans le monde rural.